Hello tout le monde, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube L'œil du sel. Aujourd'hui ça va être une vidéo unboxing. Je vais vous présenter la nouvelle espèce qui rentre dans l'élevage. Hop, voilà le colis. Donc nouvelle espèce, c'est à dire que c'est une espèce que je n'ai jamais eue dans mon élevage. Donc on va ouvrir ensemble la boîte en polystyrène et vous allez découvrir avec moi la petite merveille qui attend. Donc c'est une femelle déjà, je peux vous le dire, mais voilà, vous allez voir la petite merveille qui attend mon élevage. Et ça sera le plus gros, le plus long reptile que j'aurai dans mon élevage. On y va, c'est parti. Voilà, allez, c'est parti. Toujours ce qui est galère, c'est toujours 3 heures à ouvrir le colis. Qui sont encore bien chaudes, donc ça c'est top. La petite facture, bon je vous montre pas parce qu'on le voit en photo, mais bon là vous avez donc l'enregistrement en photo pour l'IFAP, hein, puisque comme la bête est trop petite. Bon bah j'arrête de faire cette tête débile. Donc né en 2018. Ça souffle, c'est pas content. Hop. Voilà la bestiole. Allez, je vais vous rapprocher la caméra, on va regarder, ça sera plus simple. Je vais l'ouvrir devant vous. Voilà, donc là on est sur un boa constrictor et on est sur localité brésilienne. Alors, je vais vous la montrer avec l'appareil beaucoup plus près, ça sera quand même beaucoup plus simple parce qu'elle a des tons saumonés, elle est magnifique. Elle est magnifique. Je vais prendre mon autre appareil, je vais vous la filmer, ce sera quand même beaucoup plus simple. Elle est sublime. Donc on est vraiment sur une petite mémère assez speed. Oh là! On va attendre qu'elle se calme. Hein. Bon, elle a fait un long voyage, hein. On va attendre qu'elle se calme. Hop. Voilà, je vais prendre mon appareil et je vous la filme. Waouh! Comme vous pouvez voir, donc on a au niveau des ocelles ou du pattern, bon c'est vrai, voilà, on a une très belle coloration, donc qui va s'accentuer en grandissant. Voilà, donc ça fait partie des espèces de boa les plus grandes. Donc voilà, donc comme je l'avais dit, ça sera le plus grand et le plus gros serpent que j'aurai dans mon élevage.
Voilà, magnifique femelle. Voilà, on la prendra avec soi. Je suis déjà fan. Donc au niveau transport, nickel, la boîte, voilà, top. Voilà, c'est livré le matin, donc la livraison s'est effectuée autour de 11h30. Voilà. Donc en attendant qu'elle grandisse un peu, elle ira en rack. Le temps qu'elle s'acclimate bien et que tout se passe bien, et puis après on lui mettra un plus grand espace, hein, et voilà, c'est une bête qui finira dans un magnifique terrain, un très grand terrain en fonction de sa taille. Mais vous voyez au niveau de la gueule, elle est une belle gueule, quoi. C'est les côtés de sa gueule sont gris, rose, noir, enfin c'est... Elle est sublime, sublime, sublime. Elle est très bien proportionnée. Là, au niveau de la queue, voilà, superbe. Superbe. Et au niveau aussi des flancs, espèce de rose, violet, enfin je sais pas, c'est... Ah tiens, je savais pas que la queue était préhensile. Voilà, donc nouveau reptile, nouvelle espèce. Comme je vous l'ai dit, je restructure entièrement mon cheptel, hein, donc aujourd'hui vous aurez une espèce par... voilà, vous aurez un spécimen par espèce plutôt. Sublime. Voilà. Donc adulte, voilà, ça sera pas la même chose. Mais bon, c'est super de voir évoluer un reptile. Parce que des fois ça passe vite. Voilà, ça c'est chouette. J'espère que vous apprécierez comme moi la qualité des couleurs. Waouh! Super. Voilà, on va se remettre dans la boîte et on va la mettre dans son... Dans son rack, comme ça, ça sera beaucoup plus simple. Donc toujours par en dessous, hein, le serpent. On évite de faire de fausses manipulations. De mauvaises plutôt, parce que de fausses... Hop, et ma cocotte. Voilà. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, donc franchement je suis super content de l'espèce. Je l'avais vu en photo car Nicolas Hussard, donc de Reptiline, m'avait envoyé quelques clichés de cette femelle, donc voilà pourquoi je l'avais choisi aussi, parce que vraiment elle est très très belle. En vrai, bon, c'est sûr que le rendu n'est pas le même, c'est toujours plus joli en vrai, mais voilà, je suis très très content de cette nouvelle acquisition.
Voilà, ce qui va faire une nouvelle espèce, comme je vous le disais, dans mon cheptel. Mais écoutez, franchement, j'espère que cette nouvelle acquisition et cette nouvelle espèce dans mon cheptel vous vraiment ravira plus d'un, parce que comme vous le savez, je suis en ce moment plus en train de me cibler sur du lézard, mais il me manquait vraiment un très très gros serpent dans mon cheptel. Donc on verra ça dans quelques années, mais j'avais vraiment envie d'avoir vraiment un très gros serpent. Et c'est le plus gros, entre guillemets, qu'on peut trouver sans être capacitaire. Donc voilà, j'avais vraiment envie de passer le cap. Et c'est vraiment une espèce qui me, on va dire, m'intéressait depuis quelques temps. Et voilà, donc c'est il suffisait de trouver l'espèce disponible voilà, au bon endroit. Et puis c'est ce que j'ai réussi à trouver. Le plus dur maintenant, ça va être de lui trouver un nom. Voilà. Bon bah écoutez, on va essayer, on va faire tourner les ménages. Donc j'espère que cette petite vidéo unboxing vous aura plu, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup sur la chaîne, mais bon voilà quoi, c'est toujours un vrai plaisir de vous montrer les nouvelles espèces qui arrivent dans l'élevage, surtout qu'en plus je l'ai découvert en même temps que vous. Pensez à mettre un like pour cette nouvelle espèce, pensez à partager la vidéo, surtout mettez dans les commentaires ce que vous pensez de cette espèce, quelles acquisitions vous allez faire, si vous préférez les faire livrer ou vous préférez les acheter vous-même sur place. Je comprends que certains peuvent directement aller sur place pour aller choisir leur bête. Après, tout dépend de la distance du magasin. Femelle boa constrictor. Donc avant c'était boa constrictor constrictor, maintenant c'est boa constrictor. Brésil, du Brésil. Donc voilà. Si vous avez des questions à me poser, vous venez directement sur ma page Facebook, l'œil du Celte YouTubeur, pour me poser des questions. Et si vous avez des avis, des échanges ou éventuellement des questions sur le maintien de vos bêtes, n'hésitez pas à venir me demander. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, l'œil du Celte YouTubeur. On est près de 2000, donc merci à vous de me suivre de plus en plus nombreux. Et sur ce, je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube l'œil du Celte. Et comme je le dis toujours, prenez soin de vous, prenez soin de vos bêtes, prenez soin de vos proches. Peace !